concernant les nombres des cas, enfin des personnes touchées par cette maladie, actuellement on compte 310 cas en Palestine, dont deux victimes. Et à l'extérieur, dans les réseaux diasporiques, dans les espaces diasporiques, on compte à peu près 600 cas, dont 30 victimes, en particulier aux États-Unis et en Espagne. Et en réalité, à partir de 5 mars, le virus Corona a été propagé en Palestine. L'autorité palestinienne, le lendemain, a décrété un état d'urgence. L'armée israélienne aussi a fait un siège des territoires occupés. Ensuite, l'autorité palestinienne a décrété un système d'état d'urgence qui a duré 30 jours. En regardant un peu de près, l'autorité palestinienne a procédé à 7 000 tests. Cela montre clairement que l'autorité palestinienne ne possède pas des moyens. Donc, il y a une pénurie d'équipements. Et puis, il y a un grand manque de réactifs des respiratoires. Autrement dit, l'autorité palestinienne, le pays, est sous-équipé. Donc, il y a une pénurie des masques, pénurie de gel. Et donc, l'autorité palestinienne tente, par les moyens qu'elle possède, de transformer la situation d'une crise qui montre son incapacité de gérer la situation dans une logique un peu sécuritaire, dans laquelle elle a décrété donc tous les moyens nécessaires pour fermer les frontières entre guillemets, puisque Israël qui possède la souveraineté sur les territoires palestiniens, donc l'autorité palestinienne place des barrages à l'entrée de territoire. Et donc, c'est Israël qui, en réalité, qui ferme les frontières, qui possède la souveraineté. Et donc, l'autorité palestinienne renouvelle l'état d'urgence. Il y a une politique de non-circulation entre les villes. Et il y a une politique de confinement. L'autorité palestinienne, au début des événements, a procédé à la fermeture des universités, ensuite les écoles et les lieux de culte. Et donc, interdiction, par exemple, de faire les prières de vendredi, mais aussi pour les chrétiens, le dimanche. Ensuite, donc, elle a fermé les marchés, les déplacements et le couvre-feu, les nuits et les bouclages, etc., pour ne pas disséminer le virus. Cette politique de confinement, elle est très difficile dans les zones surpeuplées, puisqu'une bonne partie de la population palestinienne se trouve dans des zones surpeuplées, notamment les réfugiés, mais aussi à Gaza. Donc, il y a une bonne partie de la population palestinienne se trouve dans les difficultés de confinement et avec une pénurie des structures sanitaires. Avant de passer sur les conséquences économiques et politiques, j'aimerais juste souligner quelques remarques par rapport à cette politique de l'autorité. Tout d'abord, cette crise sanitaire, c'est l'occasion pour l'autorité palestinienne de montrer, entre guillemets, son appareil militaire et sécuritaire et tenter de gagner de légitimité puisque l'autorité palestinienne ne possède plus depuis un temps important la légitimité. Donc, via cette politique sécuritaire, tente de retrouver une légitimité perdue. Deuxième remarque, l'autorité palestinienne, en réalité, met en place une société de contrôle, couvre-feu, contrôle multiple policière, et puis un discours culpabilisant pour obtenir que les Palestiniens intériorisent la narration un peu dominante afin d'éviter toute forme de rébellion. Et là, on trouve, par exemple, tout un discours paternaliste dans lequel l'autorité palestinienne se permet de dire aux Palestiniens, c'est vous qui êtes responsable de vous, c'est vous qui devrez nous aider, alors que les structures sanitaires palestiniennes sont dans un état lamentable. Il y a une pénurie totale dans tous les domaines. Pour répondre à votre question de confinement, la population palestinienne respecte le confinement. C'est pas par peur de l'autorité palestinienne, mais parce qu'effectivement, ils n'ont pas de confiance dans les structures sanitaires, puis ils n'ont pas de confiance de l'avenir. Donc, du coup, une bonne partie de la population palestinienne, qui est rare d'ailleurs,
puisque les Palestiniens, durant l'occupation directe, ne respectaient pas les couvre-feux imposés par l'autorité coloniale. Donc, les Palestiniens respectent les règles parce qu'effectivement, sortir des confinements expose ces populations aux maladies. Le confinement est respecté par soi-même, puisque effectivement, on peut perdre la vie si on sort de chez soi. Il y a une coordination sanitaire, militaire et médicale. Même certaines rumeurs disent qu'il y a une coordination entre pouvoir de Hamas à Gaza et Israël. Et puis, c'est aussi une coordination par les flux des ouvriers. On compte à peu près 135 000 ouvriers qui travaillent en Israël et puis dans les colonies en Cisjordanie. Et dès le départ, Israël a demandé à l'autorité palestinienne de faire le test. Donc, l'autorité palestinienne a demandé aux ouvriers palestiniens de rester chez soi durant 3 jours. Après, avec une coordination avec Israël, a changé les modes. Et puis, Israël a demandé aux ouvriers palestiniens de revenir en Israël pour des nécessités économiques, bien sûr, parce que la main-d'œuvre palestinienne est main-d'œuvre pas chère et utile pour l'économie coloniale. Donc, les Palestiniens qui possèdent des permis pour séjourner en Israël ont obtenu un permis de séjourner sur place la nuit, qui est une mesure exceptionnelle, puisque Israël accorde peu de mesures de logement la nuit aux ouvriers palestiniens. Et tout ça, ça a la réponse des demandes des patrons israéliens. Si vous voulez, Israël laisse les ouvriers palestiniens rattraper la maladie. Et puis, il n'y a pas de mesure pour tester les ouvriers. Et côté palestinien, il y a une sorte de diabolisation des ouvriers palestiniens comme porteurs de virus, puisqu'il y a plus de virus côté israélien que côté palestinien pour tas de raisons qu'on ne peut pas développer maintenant. Résultat, souvent, l'autorité palestinienne demande aux ouvriers palestiniens d'arrêter d'aller en Israël, d'arrêter de travailler dans les colonies. Et en réalité, une bonne partie de la population palestinienne est fragile économiquement, donc elle a besoin de travailler. Cette population se trouve entre la négligence sanitaire israélienne et de fortes demandes de la part de patrons israéliens. Et de l'autre côté, l'autorité palestinienne tente de trouver un bon commissaire, qui est l'ouvrier palestinien, le pauvre palestinien, pour montrer que sa politique fonctionne et c'est l'ouvrier palestinien est le porteur de virus de l'autre côté. Et récemment, d'ailleurs, l'autorité israélienne, l'autorité coloniale, a menacé l'autorité palestinienne d'arrêter toutes sortes de coopérations médicales, puisque l'autorité palestinienne accuse Israël d'ouvrir certains passages dans le nord de la Cisjordanie à Tulkarem et à d'autres endroits pour laisser rentrer les ouvriers palestiniens de deux côtés. Autrement dit, Israël, accusé par l'autorité palestinienne et certains observateurs palestiniens, de laisser les ouvriers palestiniens circuler parce qu'effectivement, il a besoin actuellement des ouvriers palestiniens pour fonctionner son économie. Et pour l'autorité palestinienne, c'est une façon délibérée pour propager le virus. Bien sûr, officiellement, l'autorité palestinienne ne dit pas que l'autorité israélienne propage le virus, mais le sous-entendu est là, quoi. Officiellement, bien sûr, les ouvriers palestiniens qui rentrent d'Israël en territoire, ils sont confiés par l'autorité palestinienne, mais il y a très peu de médecins, d'équipements pour tester tous les ouvriers palestiniens. Donc, officiellement, oui, l'autorité palestinienne met les ouvriers palestiniens à l'abri pendant 14 jours, mais en réalité, les observateurs pensent que il y a une bonne partie des ouvriers palestiniens, surtout les ouvriers qui ne possèdent pas des permis, et circulent entre deux côtés. Et si on rajoute toute la politique coloniale de négligence des Palestiniens dans les zones qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire les zones C, qui représentent 60% de la Cisjordanie, et puis les banlieues de Jérusalem, comme Kfar Aqab, comme Annata, où il y a une bonne partie de la population palestinienne est privée de traitements, de tests, et puis il y a une politique favorable à la population juive, et puis il y a une négligence totale des Palestiniens. Donc hier, les médecins palestiniens à Jérusalem accusaient Israël de négliger Silwan, par exemple. Hier, on a découvert 19 cas à Silwan, qui est une faubourg de Jérusalem-Est. Et puis, du même sur le banlieue de Kfar Aqab et de Annata.
Cette crise touche la vie sociale. Tout d'abord, il y a les pratiques des massifs de télétravail, donc qui entraînent le confinement, pose la question de couches le plus démunies, c'est-à-dire essentiellement les ouvriers journaliers, c'est-à-dire les ouvriers qui travaillent dans le secteur privé palestinien, qui possède pas un système de sécurité sociale de compensation. Donc, une bonne partie de ces gens-là, qui sont à peu près 130 000, se trouvent dans la pénurie totale, puisque une bonne partie de ces gens-là, ils n'ont pas reçu leur salaire. Et donc, il y a une difficulté majeure pour ces familles pour s'alimenter, pour vivre correctement. Cette crise humanitaire survole sur une crise politique et sociale structurante dans la société palestinienne. Et cette situation sanitaire juste augmente cette crise politique et économique. Donc il y a tout un système d'entraide qui a été mis en place, surtout par les structures parasociales, par les comités d'entraide dans les villages, par certains partis politiques. Et même certains secteurs privés ont construit un fonds d'aide. Mais en réalité, la situation est très difficile puisque la plupart des familles sont coupées. Et dans les villages, il y a très peu d'accès aux soins. Par exemple, le nombre des appareils respiratoires en Palestine s'évalue à 116 pour l'ensemble d'une population de 4 millions,7 millions. Donc, on est vraiment dans une situation assez difficile. Il y a aussi une disparité entre les villes et les villages et les camps de réfugiés. Donc, les étudiants, par exemple, ils sont confiés chez eux. Ils n'ont pas les mêmes moyens que les autres. Donc, il y a une inégalité sociale qui est assez visible. Cette situation est encore plus difficile si on pense aux villageois, parce que les villageois, souvent, ils sont entourés par le colon. Et le colon profite de la situation, donc il brûle les arbres des ouvriers palestiniens, attaque les ouvriers palestiniens et les paysans. Et puis Israël, de manière générale, profite de la situation pour préparer la loi d'annexion de vallée du Jourdain et puis d'augmenter le nombre de colonies. Donc, si vous voulez, la population la plus exposée, c'est les villageois et puis les gens dans les quartiers populaires. Et bien sûr, il y a toute la dimension un peu sociologique de dire que les gens qui sont plutôt favorisés, qui rattrapent la maladie parce qu'ils voyagent plus. Côté palestinien, c'est plutôt les ouvriers parce que c'est eux, en réalité, qui sortent le plus chez les Israéliens. Pour le moment, on a seulement deux cas qui a été testé positif, qui étaient libérés. Donc, ce genre-là a été en contact avec d'autres prisonniers politiques, bien sûr. Et depuis les événements, il y a eu une campagne palestinienne importante de la part des organisations des prisonniers politiques qui demandaient la libération des prisonniers politiques palestiniens. Et Israël n'a pas procédé. Et puis les organisations de droits de l'homme accusent Israël de ne pas prendre en soin les prisonniers politiques palestiniens. Et c'est une question assez délicate puisque une bonne partie de la population palestinienne attend avec beaucoup d'impatience que Israël libère les malades. Et puis, comme en prison israélienne, il y a beaucoup de détenus palestiniens, ils sont malades, des personnes potentiellement faciles à rattraper les virus. Donc, c'est une question délicate. Pour le moment, Israël dit, nous, on tente d'isoler les détenus malades. Et nous ne libérons pas les prisonniers politiques palestiniens, puisque dans la narration coloniale israélienne, comme quoi les Palestiniens, enfin les prisonniers politiques, ils ont toujours le sang sur les mains. Et actuellement, il y a une négociation entre l'autorité de Hamas et Israël pour libérer 250 prisonniers politiques, essentiellement les femmes et les personnes âgées et les enfants.
en échange de quelques informations sur les soldats ou les cadavres de soldats qui se trouvaient à Gaza. Alors, la situation à Gaza est assez floue puisque l'autorité de Hamas déclare qu'il existe bien sûr quelques cas et l'autorité palestinienne dit que, il n'y a pas de fiabilité de certains chiffres. Et l'aspect la plus remarquable et regrettable d'ailleurs, que entre les deux pouvoirs à Ramallah et à Gaza, il n'y a pas de coopération, alors que normalement, il devrait avoir une coopération totale. L'autorité palestinienne dit qu'on a envoyé des tests aux Palestiniens à Gaza, et certains observateurs aujourd'hui à Gaza, ils parlent que Israël a laissé très peu de tests, kits de tests pour le virus. Pour le moment, l'autorité de Hamas, il dit que il y a très peu, mais en réalité, de deux côtés, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, il y a très peu de tests. C'est-à-dire que le nombre de tests est réduit. Et donc, on ne peut pas vraiment imaginer que c'est la réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, en réalité, combien de personnes ont attrapé la maladie. Parce qu'effectivement, il y a très peu de tests. Et bien sûr, si il y aura des propagations de virus à Gaza, c'est la catastrophe totale, puisque à Gaza, surpeuplé, puis il y a une situation de fragilité économique et politique et sociale, mais aussi sur l'espace. Donc, la situation à Gaza est très préoccupante et l'autorité sur place, elle dit que nous, on maîtrise parfaitement la situation et puis la population est protégée et nous faisons tous les moyens qu'on possède pour ne pas propager la maladie. La politique coloniale continue puisque Israël continue à détruire des maisons des Palestiniens, arrêter des centaines. Hier, par exemple, l'autorité coloniale a été à Ramallah et dans d'autres villes palestiniennes et a mis enfin, en prisonnier plusieurs activistes palestiniens, dont des professeurs. Et d'ailleurs, le cours militaire israélien continue à fonctionner. Autrement dit, la politique coloniale fonctionne comme rien n'était et les Palestiniens continuent à être déshumanisés, quoi. Enfin, des personnes sont à pas égalité des êtres humains, quoi. C'est-à-dire que le soldat est bien protégé et puis la victime palestinienne n'est pas du tout protégée. Et ça montre que voilà, le virus n'arrête pas son projet colonial et sa politique coloniale.